Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give, you can't be replaced. So go now, tell me what you do. That's why I'm fine, spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world, don't you understand? Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous venez de voir dans le clip, dans les petits clips que je vous ai montré là, le bruit du volume de la pluie. Là, je suis à Yaoundé. Je suis arrivée hier dans la pluie. C'est-à-dire que il pleut ici. J'ai laissé les pluies de doigts là. Venir tomber dans les pluies de Yaoundé. Bref, j'espère qu'il va pas pleuvoir comme ça tout mon séjour ici, parce que déjà que Yaoundé est très ennuyeux. Mais si on compte encore la pluie sur Saga, c'est grave. Je prévois faire une semaine ici, mais voilà déjà 2 jours que je perds comme ça. Donc voilà. Mais j'espère que ça va bien se passer. Si tu es nouveau par là, abonne-toi, active la cloche, like la vidéo avant de continuer à regarder. Reste jusqu'à la fin. Et là, je vais juste manger et chiller. Demain, je vais voir ce que je peux faire, parce que demain, c'est comme vendredi. Nous sommes jeudi en passant. Ok? Good. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. J'ai décidé de sortir, mais je vais au cinéma. Je sais ce que vous allez me dire. Tu peux au cinéma Douala et tu peux au cinéma Yaoundé. Oui. En fait, j'ai envie de comparer les deux. J'ai envie de voir entre les deux qu'est-ce qui est bien. Voilà un peu mon outfit. Je suis un peu en retard, comme d'hab quoi. Je ne vais pas jamais au cinéma à l'heure. Je ne vais jamais au cinoche à l'heure. Donc, je vous capte là-bas. Elle veut dire que Yaoundé est bizarre. On va dire, oh, je me suis perdu. Je cherche la route. Je suis censé rejoindre un pote pour qu'on aille à Canal Olympia ensemble. Mais apparemment, on m'a laissé sur une route que je ne maîtrise pas. Du coup, je suis dans le campus. Il y a même le champ. C'est bizarre, il fait froid. Le film a commencé. Je suis en retard. Dis bonjour à mes abonnés. Dis bonjour à mes abonnés. Oh. Bonjour les abonnés. Enfin, j'ai marché jusqu'à. Qui vous dit que Yaoundé c'est la sorcellerie? Non, vous dites vous allez où? Arrête ça. Yaoundé. Comme la ville comme ça. Non. Si toi tu connais. En fait, bon, comment on peut faire Canal Olympia dans un campus? Ouais, mais c'est pour que ça profite aux. Je ne comprends même pas. En fait. Ça vous profite en quoi? Les gens dehors font comment? Les véhicules font comment? Tu vas voir quand je vais arriver. Attends. Regardez Laurent. Faut aller regarder le film. Maman. Que je vais faire. Quand on met d'abord une salle de cinéma dans un campus, on s'attend à quoi? Et comme je suis une personnalité, monsieur-ci a déjà acheté mon billet. J'ai un peu seulement. Personne à quoi. Le pire film que j'ai jamais vu de toute ma vie. Vos impressions, monsieur? Il s'avère que tu as râlé pendant tout le film. À la fin, tu dis que tu es déçu. Nul à chier. Le pire film de ma vie. Je viens de perdre 2 heures que je vais jamais rattraper. J'espère que vous allez bien. Ma voix est un peu un genre.
J'ai un début de toux, je sais pas si c'est la toux, c'est le rhume, c'est quoi, mais ma voix est bizarre. Honnêtement, j'étais venue ici avec un bon mood, un mood festif, un mood de... J'avais envie de sortir, découvrir, mais... Je sais pas, le fait aussi d'être dans une autre ville, tu ne sais pas où tu pars, c'est un peu déstabilisant. Et je ne connais pratiquement personne ici, j'ai juste de la famille ici et ils sont occupés. La plupart du temps, ils sont occupés, donc je me retrouve toujours seule. J'ai pas envie de sortir seule aussi. Si j'étais à Douala, je pouvais sortir seule tranquille, mais ici, je sais pas trop. J'ai pas trop envie de sortir seule. J'ai quand même deux ou trois potes ici, mais aussi le programme, tout ça. Et la rentrée aussi qui approche, c'est un peu bizarre. Ce vlog, il serait un peu plat. Yaoundé me gâte le mot dans cette ennuyeux. Désolé, mais c'est ennuyeux. Bref, je vous capte tout à l'heure. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Qui fait les bruits là-bas comme ça? Bref, so, aujourd'hui nous sommes... Merde, j'arrête de compter le jeu parce que honnêtement, je ne sais pas. La dernière fois que je vous ai pris, j'étais dans un bad mood. Mais aujourd'hui, je me suis levé pétillant, je suis énergétique, je suis là là là. Je vais sortir, tu vas les découvrir, même si je suis seule. Hein? Donc, vous me voyez, il y a tout apprêté. J'ai mis cette petite robe jaune, je suis Primark, que j'aime trop. Que j'aime trop. J'ai fait les petites, je sais pas trop quoi dire là, ok, pour avoir l'air un peu mims. Mims. Donc, je vais aller découvrir un peu. Je pars au Bois Sainte-Anastasie. Et je dois également rencontrer une autre youtubeuse. Elle s'appelle Nati Nadebre. Je sais pas trop, Nati. Ok. Elle m'a passé une commande pour mon agol de volerie. D'ailleurs, passez vos commandes. Ok. Passez vos commandes. Vous mettez mon Instagram là en bas. Donc, je vais d'abord aller visiter le bois. Les bois Sainte-Anastasie. Parce qu'on me dit quand même que c'est un endroit pas mal. Top, top là. Les gens me regardent. Étant chez moi, quoi. Je vais aller là-bas. Puis, je vais la retrouver. Et voilà. Je vous capte plus tard. Regardez là-bas, on plante des arbres. On est en train de planter des fleurs, ça va jusque là-bas en haut. Et c'est grand. On s'assoit même là-bas en bas aussi. Il y a l'autre côté là-bas, mais je sais pas trop. Mais sinon, vous voyez un peu. Là, j'ai fini de tourner, je suis passée pratiquement partout. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une zone où je ne suis pas partie. J'ai vraiment contourné tous les bois de Sainte-Anastasie ici. Vraiment, c'est très très beau. C'est très beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Je comprends, ça mérite son entre de 200 points. Ça mérite, c'est très beau. Bref, là, je vais aller retrouver Nati. C'est bon, j'ai bien tourné, j'ai bien visité. Je peux aller retrouver Nati tranquille. Apparemment, payer pour y avoir accès, c'est ça qui est vraiment dommage. Payer pour y avoir accès, c'est ça qui m'énerve. Bref. Ah. Bah ouais. C'est comment? Ça va. Et toi? Ça va. C'est pas dur, c'est que tout à côté. À la réalité. Girl support. En fait, dans l'accès ici est fermé.
Autre, j'aime mon pays. Ça sert à quoi alors de faire un monument qu'on ne peut pas entrer? C'est fermé, ils ont refusé. C'est fermé, c'est... Parfois, je vois les gens là-dedans, moi, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Salut, hein. Parce que... Avec mes doigts, c'est bizarre. Même les Nigériennes, là. Les Nigériennes sont déjà trop avancées. Même les Nigériennes, elles sont trop fortes. Elles sont déjà avancées, c'est-à-dire qu'elles ont déjà un niveau. Je veux parler de celles... Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Hier, c'est vrai que j'ai arrêté le vlog sans toutefois... En fait, ma batterie m'a lâché. En gros, ma batterie m'a lâché. Mais il n'y avait plus grand-chose à montrer vu que j'étais déjà en train de rentrer. C'était vraiment top de discuter avec une autre youtubeuse qui me donne ses conseils, ses astuces afin de rentabiliser ma chaîne, d'être plus active et tout ça. C'est toujours top parce qu'elle, elle a su développer sa chaîne toute seule et tout ça. Et vraiment, c'était top. On a discuté, elle était hyper gentille. Elle m'a raccompagnée jusqu'à ce que je prenne mon taxi parce que je ne connaissais pas. Bref, elle m'a accompagné et j'espère rencontrer d'autres youtubeuses avant de rentrer sur Dora parce que je ne sais plus quand je vais encore revenir sur Yaoundé, peut-être dans 2 ans encore. Parce que cette ville-ci, frère, elle est grave ennuyeuse. Mais sinon, j'ai plus grand-chose à dire sauf ça. Donc, je vous capte peut-être appeler ici ou je sais pas trop quand, aussi le retour. Bref. Hello, ici Monique du futur. J'espère que tu as déjà liké la vidéo. Parce que à ce stade-ci de la vidéo, si tu n'as pas encore liké, frère, donc s'il te plaît, merci de liker la vidéo. D'accord? Good. Hey girl, j'espère que vous allez bien. Comme vous me voyez déjà tout apprêté, ça veut dire que je sors. Et j'aime trop comment je me suis maquillée aujourd'hui. Non, dites-moi que là, si je ne ressens pas une bimbo. Je sais pas, j'aime trop. J'ai eu beaucoup de temps aujourd'hui. J'ai pris le temps de faire une petite coiffure Mims. Là, j'ai acheté des petites frondes multicolores là au China Mall. J'ai acheté ça comme ça, mais bon, j'ai essayé de faire une petite coiffure Mims avec. J'ai aussi fait le contour de mes lèvres avec le crayon noir. Je vois beaucoup ça sur TikTok actuellement. Et mon outfit. Non, attendez, je vous place. Voilà, je vais aller me balader, je vais retrouver un pote. Il n'y a même pas de lumière, mon téléphone il est à 10%. Mais je vais sortir avec mon chargeur, j'espère que je vais chercher mon téléphone. Parce que cette journée-ci, je ne peux pas être belle comme ça, je ne fais pas de photos. Et niveau chaussures, j'ai mis la tennis que j'ai l'habitude de mettre, que vous connaissez déjà. Bref, mais je suis belle frère, je suis belle. En tout cas, je vous capte tout à l'heure. Il ne faut pas que je nique trop ma batterie. Ok, bisous. Dis bonjour à mes abonnés. Ah, quoi que je dois seulement vous abonner. Tout le monde dit bonjour. Pour qu'on puisse dire bonjour à mes abonnés, respectez mes gens, c'est quoi? Je demande à celui-ci de me prendre en photo. Le gars me prend les pires photos de ma life. Pardon. Explique-toi. Tu me vois pas bien en photo, tu m'énerves. On a vraiment tourné comme ça là, on a fini une fois avec. Et c'est ce que les restaurants, parce que là-bas, il y a quand l'étage là a au moins 6 ou 7 restaurants, les prix sont différents. Donc si tu peux pas partir chez X, tu peux pas chez Y. Ici là, le petit espace que j'ai vu là, c'est tout. On ne fait pas un large choix. Il a pris mes photos, c'est bien sorti. C'est bien sorti. Fallait que pleure, faut que tu grondes. Tu grondes, tu pleures pour que ça sorte bien. Tu trouves ça normal ce que tu fais? Mais non, pas au ministère du soya. On va manger les 50-50. 50. Il y a des gens.
J'ai déjà. Sois dedans là-bas. Voilà, c'est tout ici. Le piment est où? Ouais, le piment rouge. Pardon à mes yeux. Bon, on a changé de direction, on a essayé d'aller regarder le trophée de la Coupe du Monde. C'était à côté. C'est celui-ci qui m'a mis dans les marches. On n'est même pas venu ici là. On partait regarder. Attends, ça commence encore. Ah bon, mais c'est moi qui t'ai dit qu'il y avait ton nom. J'ai pris ça souvent. On a pris le directeur général adjoint de Coca-Cola Global Company Cameroun. Aux représentants de la compagnie Coca-Cola, mais aussi de la FIFA. Et merci aux hommes de médias qui étaient présents. On n'a pas pu voir ton nom. On n'a pas pu prendre de photo. On n'a pas pu prendre de photo avec lui. On l'a pris. Tu as pris avec lui. Et avec elle, lui. J'ai rien pris. Mon téléphone n'a pas. J'ai pas pris. Oh, ça m'énerve. Je te dis la vérité. Maintenant, on va mourir dans les embouteillages. Embouteillage maintenant, ça va la guerre. Mais on rentre. Les gars, je viens de rentrer. J'ai acheté le poisson brésil pour manger. Devinez quoi? On emballe le poisson dans les feuilles. Dans les feuilles. Non. J'ai jamais vu le jassi. Je rentre à Douala. C'est grave. Le poisson brisé dans les feuilles, maman. Hey. Oh oh. Je rentre à Douala. Hello les amis. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Ce sont mes derniers instants à Yaoundé comme ça. Donc le bilan de ce séjour, c'est que tout s'est vraiment bien passé. C'était assez reposant, assez relaxant. C'était vraiment top. Honnêtement, c'est vrai que si j'étais née ici à Yaoundé, j'allais pas trouver cette ville ennuyeuse parce que je suis habituée au système de Douala et c'est un peu changer d'environnement, c'est toujours un peu troublant, mais sinon c'était bien. J'ai fait pas mal de trucs, ok, c'est bon. Maintenant, il faut que je rentre sur Douala parce que j'ai mon anniversaire qui approche. Il faut que je me prépare. Et il faut que je recommence ma skincare parce que tout ce séjour, si j'ai rien fait sur mon visage, vous pouvez voir des boutons là depuis que je suis arrivée. On a des boutons bizarres là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez déjà liké la vidéo parce que vous pouvez pas regarder ma vidéo comme ça sans la liker. Donc, likez la vidéo, commentez, dites-moi ce qui vous a plu dans ce vlog. Ça fait toujours plaisir de lire les commentaires et de répondre. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a quelque chose qui vous a marqué en fait. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vous laisse sur le retour. Et je vous fais plein de bisous. C'est l'heure du départ. Mon frère me raccompagne. I contemplate that.